Et yo les gens, c'est Skywhite, aujourd'hui on se retrouve pour toute notre vidéo sur Metro Exodus. On va directement continuer notre partie. Alors, bon, on va voir comment ça se passe. Les gens du coin n'étaient pas vraiment ravis de nous voir. Il semblerait qu'ils aient créé une véritable secte technophobe ici après la guerre. Et leur chef a réussi à me piéger dans l'église à moitié inondée. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils m'auraient fait s'ils étaient parvenus à me garder captif. Heureusement, avec l'aide de Katia, une femme que les fanatiques avaient emprisonnée ici, j'ai réussi à m'éclipser, et sans faire de blessés. Katia m'a parlé d'un mécanicien qui se cache dans le port. Il s'appelle Crest et pourrait nous aider à réparer l'Aurora et à traverser le pont. Le moment me semble bien choisi pour aller le voir. Ok. Bon, on a vu qu'il y avait des petits lags. J'ai peur qu'on ait des petits lags parce que justement je suis plus pas chez moi. On était ici, je vous rappelle. Là on a tout un tas de points d'intérêt à aller visiter. Est-ce que je peux? Ah mince. Je peux sortir les jumelles. Hop, c'est parti. Bon, j'aime bien le petit... Je pense que je vais retourner dans le bâtiment là-bas. Je vais explorer un peu. Il n'y avait que ça. Peut-être pas obligé de... balade, mais bon, j'ai pas envie de perdre du temps. Bon, petit testing, hein. Je pense que je vais pas y retourner, parce que si c'est pour perdre des balles gratos, ça n'a aucun intérêt. Là on voit qu'on récupère quelques matériaux, mais... un moteur... ouais... ouais, bon, ça, je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est trop risqué, je trouve. Dommage qu'on puisse pas les flinguer. Ça, c'est un peu chiant. Ah.
je n'arrive pas à les mettre dans la tête, c'est compliqué. Hein. Bon. Alors, on va reprendre ça. Ok. Bon. Alors oui, je voulais vous dire, en fait, là, ouais, j'avais trop envie de jouer hier. Donc samedi. Le truc, c'est que samedi, j'étais... J'avais pas envie, en fait. Enfin, j'avais envie de jouer, mais je me sentais un peu ballonné. Et le truc, c'est que du coup, parce qu'en fait, ouais, le midi, j'ai mangé à 16h, donc j'ai jeûné jusqu'à 16h, quoi. Podium, Sam, Damir, à vous. Anna ne répond plus. Vous savez où elle est? Quelqu'un est au courant? J'ai jeté un œil aux antennes à 200 mètres de l'Aurora. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose. Là. Non, mais oh. Ouais, mais en fait, je suis trop bête. Anna ne répond plus, je sais qu'elle est parfaitement capable de se débrouiller toute seule, je m'inquiète sans doute pour rien, mais je ne veux pas faire comme si rien n'était alors qu'elle est peut-être en danger. Genre, du coin, les animaux ne représentent pas une grande menace, mais quand même. Je vais essayer de passer par là-bas. Là, on a là-bas aussi à faire. Là, on a le temps qui est en train de se réduire aussi. On a pas mal de mutants qui baladent. Il faut faire très attention la nuit, puisqu'en fait, les mutants sont beaucoup plus... beaucoup plus violents la nuit. Bon. Donc ouais, j'ai mangé du coup McDo le midi, kebab le soir et je me sentais un peu ballonné. C'est pas super agréable quoi. Game.
Et moi ça S. Je vais mettre le jour. J'ai plus peur des mutants que des bandits. On fera pour une prochaine fois, bien sûr. Artyom, je t'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner. Il va y avoir des scorpions, je pense. Et on y retournera, hein. Merci. Tu vois ça? Ok. Je me balade, hein. De toute façon, c'est le but du jeu. Je pensais qu'on serait sur des scorpions. Hein. Faut pas hésiter. J'ai une arme qui est assez puissante, donc je peux pas hésiter à l'utiliser.
Ok, est-ce que j'ai une attaque pour taper au corps à corps? Parce qu'en fait, vous le savez, j'ai vraiment pas envie de... J'ai pas envie de dépenser trop de débats inutilement, en fait. Alors, c'est peut-être stupide, mais... Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis contente qu'Arthur m'ait retrouvé. Ah, c'est quoi cet endroit? T'as vu les marines? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt, plus des charges. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Pas question. Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu, et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée, ou je sais quoi. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte, elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna, oh, un jour, tu sais que tu vas me faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mise aux arrêts, jeune fille. Sam, c'est toi? Ah, merci d'avoir aidé à retrouver Anna. Maintenant, tu la ramènes ici à coups de pied dans le cul. J'ai deux mots à lui dire. Et Stéphane qui s'y met aussi. Il a décidé de faire monter des civils à bord. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête ici. Fais demi-tour. Aide Stéphane à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage avec nous. Artyom, je me sens mieux maintenant. Vraiment, je te jure. Dis-moi, Sam, à quoi ressemblent vraiment les bas ennemis? Qu'on sache les reconnaître quand on en verra. Bah, déjà, il y a ces immenses robots humanoïdes aux couleurs de la bannière étoilée avec des réacteurs au cul. Et la bouffée d'enfer. Burger, frites, milkshake. Je suis sérieux, merde! Je vais être sérieux moi aussi, alors comment veux-tu que je sache à quoi elle ressemble? Ça doit faire 20 ans que j'en ai pas vu. Une barrière, des miradors, des patrouilles, des bâtiments. Une base, c'est une base! Et je n'en ai pas vu dans les parages, ni rien qui pourrait y ressembler de près ou de loin. Mais si l'occasion se présente, compte sur moi pour leur passer le bonjour, en espérant que ma langue maternelle me revienne. C'est bon, c'est pas la peine de t'énerver. Les gars, vous croyez vraiment qu'on va tomber sur des Américains? Au début j'avais des doutes, mais je pense être le seul que vous verrez dans les parages maintenant. Perso, ça me va bien. Au moins, on peut parler de tout avec toi, Sam. Ok. Par chance, ça va bien. C'est vrai qu'elle a sans doute inhalé un peu de gaz, mais on a déjà connu Pierre à Moscou. Elle va devoir rejoindre une collègue pour décider de la suite du programme. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour moi? Moi je peux le prendre et... Du coup on a fait le gros truc là? Ouais, on l'a fait. Bon bah écoutez, pas tout.
Ah. Ah, putain. Ouais, je suis en train de me dire. À quoi elle Et du coup, là, je ressemble? Ça doit faire 20 ans que j'en Bon, ai c'est pas bon, vu. ça, on l'a connu. On connaît. Parti. Artyom, aide-nous. Le vieux veut pas laisser Katia et Nastia nous accompagner, alors que Katia nous a indiqué où trouver un wagon de passagers en très bon état. Ah ouais, ça arrive à l'eau. J'imagine qu'on va devoir repartir. Pour aller où? Ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer. Tu m'étonnes. Bien, peut-être que... Je sais pas. C'est vrai, ce n'est pas qu'une question de place. On devra peut-être se battre pour traverser le pont, et même après, on sait pas quels dangers peuvent nous attendre. Mais quand même... Et je lui ai dit que je pouvais aider. Je suis infirmière. Ah je ouais? lui ai parlé du pont aussi. On peut le baisser. Oui, je lui ai même parlé du wagon dans le dépôt de train. On l'a utilisé pour venir jusqu'ici. Il est très bien. On l'avait préparé pour un long voyage. Oncle Artyom, s'il te plaît, laisse-nous venir. Je serai sage. Je vous aiderai à tout faire, promis. Nastia... Arrête d'embêter Oncle Artyom. Oncle Artyom. Oh, ne t'en fais pas, Nastia. Oncle Artyom va parler à notre commandant et arranger ça. Waouh! Oncle Artyom est plus important que le commandant qui fait peur avec ses jambes en métal. Non, ma puce, il faut pas dire ça. Tu vois, c'est Oncle Melnik qui commande ici. Mais il écoute ce qu'Artyom lui dit. Pas vrai, Oncle Artyom? Je voulais aller chercher ce wagon moi-même, mais pas question. Abandon de poste, ennemi, cour martiale, tu connais la musique. Il n'y a qu'Anna et toi qui pouvaient le convaincre. Vous allez nous emmener. Je t'en supplie. Bien sûr que oui, t'inquiète pas. J'adore hein, les animations. Bien si je fais le tour un peu du train avant de rentrer dans le train. Content de voir que tu vas bien, Artyom. Salut mon gars. Les gars seront bientôt de retour avec notre grande disparue. J'adore. J'ai cette sensation de liberté qu'on a là. C'est génial. Par contre, à chaque fois, je suis désolé, mais je suis perdu au niveau des touches du clavier et tout. C'est une dinguerie. En fait, il y a tellement de touches. Et puis, il ne nous explique pas. Langani, ouais. Une sac à dos, lampe chargeur, journal. Ah ouais, c'est maintenir F. Et ça, je vous le dis, ça va être vraiment être important plus tard. Ouais. Bonjour, Artyom. Très bien, bienvenue à bord. Merci, je te décevrai pas. Artyom, monte! Il faut que je te parle de quelque chose. Hé, hey, Artyom, t'as vu comme tout s'arrange? Assieds-toi. Ok, Simmer chef. Écoute, on a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeur, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katia dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. Et quand bien même, on traversera ce pont que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang? Eh ben ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur, on ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir? Est-ce que tu réalises où on va? Et ce à quoi on va être confronté en chemin? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur l'Aurora? Au-dessus du charbon? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme, et sa fille de 6 ans en plus,
C'est proprement intolérable. Je leur laisserai mon matelas, et j'irai dormir près de la chaudière. Tu t'endormiras pendant ta garde, et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après une nuit là-bas. Mais on ne peut pas les abandonner. On n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katia au lieu de ne rien faire. On peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir? Tu recommences avec ça? Comment, hein? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une draisine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Non, t'iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils avec nous. Artyom, tu peux t'en occuper. Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katia et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la draisine. Ça marchera pas sinon. C'est une vraie petite merveille, et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses, et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, comme tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si t'y vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Sans parler des anomalies électriques. Les fanatiques les appellent les démons de l'électricité. Elle peut te peser le pour et le contre avant de partir. Artyom, Duke est en mission dans le secteur. Il effectue des relevés sur le pont. Ça capte mal là-bas. Il y a plein de parasites sur la ligne. Bref, si tu le croises, il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je parie que t'as comploté avec Anna et Stepan. Hey, je tiens à eux autant qu'à toi. Mais on ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques. Enfin, qui vivra verra. Ok, peut-être qu'il est là-bas. Bon, évidemment, moi je vais faire tous les points d'interrogation sur la route. Je sais qu'il y a 2-3 points qu'il va falloir que je fasse absolument, puisque... Ouais. Chaque fois je me fais avoir, parce qu'en fait je reste appuyé sur point d'interrogation, je suis trop bête. On a décidé d'un plan, capturer un marqueur de vendeur et infiltrer le bidonville pour abaisser le pont en attendant. Peut-être en attendant l'aura avec une nouveau moment, Katia et sa fille commandent plus de fou plus on rit. Le manque d'espace commence à se faire sentir, je dois donc récupérer la draisine que Crest a cachée au terminus et m'en servir pour traquer un wagon de passagers et l'ancien dépôt de train juste à l'aura. Ok. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Ah, enfin. Regarde mon installation, Arthur. Ah, mais merci. J'ai enfin réussi à tout organiser. Ah, mais t'es trop fort. Un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils. Tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions ici, comme avec tous les autres établis que tu trouveras. Merde, mais tu n'auras accès à mon atelier que sur l'Aurora. J'y stockerai toutes les armes que tu trouveras, et tu pourras les échanger à tout moment. Elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf. Mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul. Un jour, je ferai de vous tous des armuriers qualifiés. Putain, merci, mec. Écoute, Artyom, j'ai un truc pour ton Tikar. Tu peux essayer de l'installer. L'établi est là pour ça. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Alors, donc là, j'ai une autre crosse. Baisse un peu la cadence de tir, mais au moment de la stabilité. Crosse et poignée typique de la calache. Constitue une feuille d'acier recouverte de gondolin, cette poignée constitue une option pratique pour le pouvoir approcher. En vrai, je m'en bats un peu les steaks, moi, de la cadence. Moins de précision, moins de stabilité. Ah, chargeur standard pour recevoir 30 munitions, 20 munitions. Ouais, bon. Ah.
On va garder ça. J'adore. Ah, c'est pas le même gun. Alors, attends. Ah ouais, donc lui, il est pas du tout précis, stabilité, il lance de tir, dégâts. Ouais, par contre, il fait extrêmement mal. Ok. Bon, je veux le... Je préfère avoir ce pistolet. Avec un silencieux. Un visé réflexe. Voilà. Incroyable. Et là, du coup, ok. Et du coup... Le système que vous utilisez n'est pas préparé en cas de suppression. Oh! Ouais, donc ça c'est stylé. J'ai un truc pour en savoir jusqu'à 18. Mais bien, c'est toi qui as su. Ah. Je perds un peu en stabilité pour un sniper, je trouve ça pas top. Je vais garder ça comme ça. Anna, merci à toi et à Artyom de nous avoir aidés. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous. Cet endroit est un cauchemar et ce Silentus est horrible. Attends que tout soit réglé avant de nous remercier. C'est à Artyom de jouer maintenant, alors souhaite-lui bonne chance. Bien sûr. Que Dieu te bénisse, Artyom. Et toi aussi, Stéphane. Merci. Non, n'en parlons plus. Oncle Artyom, Oncle Artyom, tu pars en mission? Ouais, ouais. Je voulais te demander, là-bas, près des grosses citernes, si tu trouves mon nounours, au cas où, tu pourras me le ramener? Ouais. Un démon l'a pris. Un qui volait, il était effrayant. Ils vivent là-bas. Il a pris mon doudou pour le donner à ses enfants. Mon nounours me manque tellement. Je voulais aller le voir, mais maman veut pas. Parce qu'il y a des démons de l'électricité aussi. Je mens pas, ils sortent la nuit et ils font de la lumière. C'est trop beau. Ouais, mais ça pique par contre. Et effrayant aussi, un peu. Ouais. Ok. Artyom, je t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir sauvé après cette chute idiote. Tu sais, j'ai même pas eu peur quand je suis tombée. Parce que je savais que tu viendrais me sauver quoi qu'il arrive. Merci, mon amour. Vas-y, maintenant. Reviens vite. Et évite de te mettre en danger. Artyom, tu te rends au terminus? Tu devrais aller voir Duke. Il a installé un poste d'observation dans un wagon, près du pont. Demande-lui ce qu'il a vu avant d'y aller. Ah, encore une chose. Cette tour sur la droite, tu la vois? Il y a quelqu'un dedans. Je crois que c'est les bandits. Ils nous surveillent. On a entendu quelqu'un jouer de la guitare là-bas. C'est pas croyable d'être aussi nul. Stéphane voulait qu'on aille leur piquer leur gratte. Ils étaient en train de massacrer la mélodie. Alors si tu peux libérer cette guitare, tu rendras un vieil ami heureux. Stéphane est un magicien de la gratte. Il connaît des super morceaux de rock. Bonne chance, Artyom. Ok. Ok, ça va changer. Et bah écoutez. Et donc là. Là-bas on a la guitare. Et là-bas on va avoir autre chose, ouais. Ok. On va taper une save. Ouais, donc là j'ai beaucoup de choses à faire. Alors. Écoutez, on va y aller. Il y a deux jours.
Ok. Pitié, laissez-moi partir. Ce qui compte, c'est que je sorte d'ici vivant. Hein? T'es sûr de toi? Mais j'ai vraiment personne. Pitié, je vous en supplie. Je crois qu'on peut dire adieu au pognon. Trois cases du fumier près de cette barrière. La fumier est là-bas. Je me demande si j'aurais pu... En fait, je me demande s'ils vont le flinguer, en fait. Je prends... Moi, je vous ai dit, hein, je suis comme ça, je prends vachement mon temps. Espèce de connard! Attends, je vais attendre de voir s'il le tue ou pas. Attends, je me demande si je peux pas dormir aussi. Les attaquer la nuit. De l'eau ? Quoi ? Ça sert à rien. De l'eau ? Rien du tout. Pitié ! Tu veux pas un casse-croûte non plus ? Pas de casse-croûte. Quand on aura le pognon. Non, personne paiera pour moi. Laissez-moi partir. De quoi? Je personne. Je suis tout seul. Pitié. Laissez-moi partir. Hein? T'es sûr de toi? Mais j'ai vraiment personne. Pitié. Je vous en supplie. Je crois qu'on peut dire adieu au pognon. Bon, on le laisse partir. Évidemment. Merci. Merci.
Ouais. J'aimerais pas être à ta place, tu sais. Personne pour cracher le pognon et tout ça. C'est quoi ? Ouais, donc là, on va devoir le faire. On va devoir les tuer. Essayez de voir si je peux pas flinguer les mecs en haut d'abord. Putain, je suis à chier, ça me saoule. Nul à chier, putain. Merci. Oh, ces vermines m'ont capturé sur la route du temple du poisson. Le père Silentius m'avait demandé de faire pénitence et j'avais fait la moitié du chemin quand c'est m'ont capturé. Ah, je vois que t'es un des hérétiques. Je vais te le dire quand même. Il y a une cachette ici. Sur l'îlot. Et un appareil. On peut pas l'utiliser. C'est un péché. Mais tu pourrais, toi. Je vais me reposer un peu avant d'y retourner. Je prierai le poisson de Sar pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ton âme sera peut-être sauvée. Si là-bas, la guitare elle est là. Lilo. Bien de l'agitation. Bon, je suis un peu tech du coup d'avoir tiré des balles de calage. Je sais que c'est des trucs qu'il faut garder en rab. Bon, après, il faut aussi les utiliser, hein, mais bon. Bien d'avoir des pistolets qu'autre chose en fait. C'est pas grave, on les utilise aussi, mais je me dis, c'est le genre de truc qu'il faut bien faire attention. Achète le bac.
ou une barre de prix. Ou un marqueur. Tu m'as compris, Simon. Tu ne discutes pas le prix. Dès que les autres seront au courant pour le pont, n'importe quelle merde qui flotte vaudra une fortune. On peut encore rebondir, mais on ne doit pas traîner. Au boulot, Simon. Le temps, c'est de l'argent. Je vais aller là-bas, je retourne en arrière, j'ai dû rater. Là où il y avait des bestioles, là j'ai dû rater un petit truc. Non, moi je peux prendre tout mon temps, je vous le dis, je prends tout mon temps d'ailleurs. Bon, maintenant que je le sais, je vais faire un peu plus attention à mes balles de calache. C'est vrai que c'est quand même... J'ai envie de dire une arme rapide, mais... Une poignée de crosse. Le métal permettant de mieux contrôler le recul et améliorer la sensation d'insécurité de l'arme. Ok. Ouais, c'est juste pour gagner un peu plus de. Si je teste la nuit par exemple, pour rigoler. Par exemple, je vais la nuit, on teste des trucs. Hein. J'ai un peu peur parce que je vais essayer d'aller sur l'îlot en face. Normalement, il y aura plus de monstres. On va voir. Je tape une save. Ah, je peux pas taper une save. Donc ouais, là je suis vraiment là pour kiffer, prendre mon temps. Alors on va taper une sauvegarde. Si je regarde là, ça c'est bon. Ok, là j'aimerais bien aller sur l'îlot.
est-ce qu'il y a une barque par hasard pour m'y emmener? Alors pourquoi je tue les bandits? Pour info, je vais essayer de d'épargner plus de personnes parce que j'ai jamais eu les bonnes fins dans les métros. Parce que moi j'adore tuer des gens en fait. Voilà, par exemple là tirer, bah j'aime bien. Et en fait dans ce métro là ils ont un peu plus complexifié le tir, etc. Et en gros si tu épargnes certaines personnes, notamment par exemple voilà les en fait si t'épargnes les gentils et que tu tues les méchants, ça passe. Et en fait le truc qui s'était pas trop accepté avant. C'était pas vraiment comme ça qu'il fallait voir les choses. Ah non, je pensais qu'il y avait une barque, je suis bête. Et en fait, ouais, c'était pas trop comme ça avant. Artyom, ici Melnik. Je t'envoie les coordonnées de Duke. Il est sur le pont. Je vais les relever. Va le retrouver. Il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je vois où faut aller. Monter par en haut. De toute façon, je vais tout faire, donc y a pas de. Salut mon frère de sang. Eh, tu m'as pas vu venir, hein? Non. Les autres non plus. Je fais quasiment partie du décor. On m'a dit que t'allais récupérer une draisine au terminus. J'ai des infos pour toi. On ne peut accéder au terminus que par le fleuve. Heureusement, il y a une barque à quai, pas loin. Les fanatiques l'ont laissée là, on dirait. Là-bas, tu ne trouveras que ces dégénérés de mutants. À première vue, en tout cas. Tu vois cette station-service? C'est un repère de bandits. Ils piègent les fanatiques. Ces cinglés semblent attirés par le terminus comme les mouches par tu sais quoi. Les bandits en ont capturé 3 sous mes yeux. Regarde ce bâtiment là-bas. Les bandits y enferment les gens en attendant une rançon ou je ne sais quoi. Mais je peux te dire qu'ils leur en font baver. Ça fait 3 fois que je demande au colonel la permission d'intervenir, mais il veut rien entendre. Bon, je peux comprendre ses raisons, mais on a toujours tout fait pour protéger la population de ce genre d'individus. Alors c'est dur de rester les bras croisés. Enfin bref. Tu vois ces ruines? C'est un autre camp de bandits. Ils ont des snipers. J'ai vu le reflet d'au moins une lunette sur le toit. Alors je te déconseille l'attaque frontale. Au niveau du pont, c'est le calme plat. Je n'ai pas vu le moindre type armé se montrer. Ils attendent certainement qu'on attaque, donc pas la peine de s'occuper d'eux pour le moment. Eh, c'est toi qui décides quand y aller? Et ça devrait être plus facile d'éviter les bandits de nuit. En attendant, je retourne à mon poste. Ok. Cimer chef. Bonne chasse. Merci. Là-bas, il fuit de se faire... Un démon, ça. Où je suis? Thank you.
demi-tour. Je sais pas s'il m'a... Ok, je me suis dit, vas-y, je vais voir si je cours, mais ils m'entendent en fait. Ils sont... L'IA est bien améliorée, hein. ça fait plaisir. En vrai, il y a plein de trucs. Le jeu, là, il était vraiment plaise. Comme vous le savez, voilà, moi, je suis vraiment un vrai connard. Franchement, je suis un vrai connard, mais... C'est vraiment pour rien. En fait, je suis juste en train de me dire qu'ils ont bien fait de faire un open world. Par contre, il faut que ça soit la fin de la trilogie, quoi. Traîner dans le coin? Ils nous cherchaient? Super! Ils allaient combattre les boules de feu! Non! Tu te fous de moi! Je te jure, mon pote, ils sont complètement timbrés dans cette secte. Ils croient que l'électricité est diabolique. Ça fait un an. Pas si mal cet endroit. Même plutôt cool. Si seulement j'avais un truc à boire. Ouais, comment ça serait top! Un peu chiant, moi je voulais l'assassiner. J'ai envie d'assassiner tout le monde. Les bandits, en fait, vu que je peux tuer personne, putain, les bandits, je les clashais. Je sais que le seul truc que j'ai pas le droit de faire, c'est que s'ils se rendent, ou si les bandits se rendent, il faut que je les... Il faut que je les laisse se rendre.
Sa vie, c'est le rire. Ouais, moi aussi, il faut bien marrer, c'est con. Oh, qu'est-ce que... Oh, rien à foutre. Oui, oui, oui. Sors de là. T'es pas un bandit, je le vois bien. Bien que tu sois un hérétique, on priera pour le salut de ton âme pour le restant de nos jours. Dieu te bénisse. La prière, c'est bien, mais j'aimerais te remercier avec quelque chose de plus conséquent. Écoute-moi bien. Il y a une pièce dans le terminus. On y apporte tous les objets impies pour que le poisson est purifié. Tiens, voilà la clé. Tu es un pêcheur de toute façon, et tu devrais y trouver quelque chose d'utile. Bien. Simon, il ne faut pas. Sinon, Thius va t'excommunier pour ça. Pas si tu ne lui répètes pas. À moins que tu préfères mourir ici, par la lame d'un païen. Mais bien sûr que non, et je dirai rien. Merci, messieurs. On va lui laisser le temps de se poser. Et on retournera au pont avec l'aide du Seigneur. Oui,
Que sa volonté soit faite. Ok, ça c'est fait. Les deux, ouais. Je vais aller plus loin parce que là-bas je sais qu'il y a un objet à récupérer. Je vais... ouais. C'est un peu chiant, mais comment j'ai pu tomber et me faire mal la dernière fois alors que là je fais des jumps de fou. À chaque fois que je saute là, j'ai un peu peur, genre je serre un peu les fesses. En vrai, je suis large. Merde. Tous les trois, hein, on a choisi le plus pourri. On aurait dû rester à la plan. Si seulement il y avait quelqu'un qui a défendu la porte, ma mère va mourir. Je crois que c'est là-bas. Hein. En fait, je sais qu'à un moment il y a deux silos. Parce qu'en fait, je vais essayer de récupérer toutes les upgrades que je peux. Alors, bien sûr, il n'y a pas toutes les upgrades. Ah, mais ça, c'est nous, non? Où il était si loin, on s'en fout. Il est plutôt là-bas, je crois. Ouf! Ah putain de merde! On n'aurait pas dû venir ici! Ça va partir en couille, c'est sûr! Pardon, hein, moi je... j'ai peur vite, quoi. Alors...
d'affaire de silo là, j'ai un peu oublié. Ou si l'esprit serait pas. Ah. Putain, mais je suis à chier, je suis trop nul, ça me saoule. Faut que je me concentre. Ah, désolé, je suis... Oh là 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 là. Donc tu penses que c'est là, moi je pense que c'est ici. Mais wow, wow, wow. Non, j'ai une technique. On va faire une technique qui s'appelle le Rush Technique. Je sais pas si ça va marcher, mais... Il y en a tellement là. J'ai pas envie de bafouiller toute la faune. Merde. Tous les trois, on a... Ouais, c'est des techniques de test, hein. Voilà, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Vous allez voir, regardez. Non, ok, donc là, pas du tout. Ah, oh, fait chier, putain. Comment je vais faire? Là, il y a vraiment du monde. Ouais. Je pense que c'est peut-être limite mieux d'aller se coucher après, de revenir. Je sais pas trop comment. Bah ouais, parce que là, c'est embêtant, en fait. Pas si mal cet endroit, même plutôt cool. Ok, alors fais voir un peu comment je vais pouvoir me débrouiller. Et y retourner.
Ok. Ok. Là on est pas trop mal, là-bas je peux aller en face. Il y aura normalement un camp de bandits. Une save. Non, je crois. Il dort. Chier. Puis chier parce que je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas où faut aller. Ah, putain, c'est ma faute, hein, c'est my bad, mais. Ah, j'ai déjà tout fait ici, c'est bon, ça va arriver. Je suis désolé, je prends bien mon temps, je suis une vraie salope, mais... Par contre, attends, je fais une sauvegarde rapide, ça repop tout ça, là. Petit champignon, hein. Ah oui, ça repop, mais je peux pas les récupérer. Ouais, ok.
D'accord, enfin quand je dis ça c'est... ok. De toute façon je vais pas tarder à arrêter, de toute façon je fais que recommencer là. Beaucoup de toute façon, j'ai dit beaucoup de toute façon. Je me demande si c'est une bonne idée de passer par là en fait. Après c'est la nuit, donc la nuit... Par contre ils dorment. Par contre c'est une dinguerie, les dégâts de merde. Après c'est fait exprès je pense, c'est vraiment fort dans la tête le pistolet là. Passer par là. Je vais voir si je peux pas remonter. Ouais, ok, je m'en souviens. Moi, je suis venu là, là. Là, il y avait un démon. C'est marrant, c'est les sensations de battement de cœur. Ah non, c'est là-bas plutôt. Ouais, non, là, il est toujours là, le démon. Pas le réveiller, parce que ça, c'est... Je pense que c'est l'une des plus grosses conneries que je peux faire. Monter par là-haut. Descendre par là. Non, vraiment que j'aille là-bas. J'arrive pas à voir ce qu'il y a en fait. Et c'est lui là. Oh, m'attaquez pas les gars, m'attaquez pas. En vrai ils ont pas l'air d'être si offensifs que ça, juste là ils étaient vraiment non beaucoup. Je pense qu'ils se la jouent là un peu. Ok. Là, je peux aller là-bas. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est aussi faire là-bas, là. Je
si mal ici. C'est sûr qu'on s'emmerde. Par contre, c'est marrant parce que la nuit, c'est vraiment la nuit. Hein. Et... fais chier. C'est l'enfer ici. Tu peux jamais baisser ta garde. J'aurais pas dû me mettre dans cet état. Cette gueule de bois me tue carrément. Va partir en couille, c'est sûr. Va tous se faire défoncer. Waouh, ça peut être n'importe quoi ça. Cet enfoiré. Ah putain, j'adore être ici. C'est un super endroit. C'est vraiment fou les boules. C'est pas avec ça que je vais remplir mes poches. D'être sacrément plus balèze. Comment je peux faire pour monter là-haut? C'est quoi ce bordel? Hey, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà ce fumier! C'est bon, t'as gagné.
Ok. Ouais. Là, il faudrait que j'aille en face. Là, ça va là-bas, ça. Y a quoi là-bas? Ah. Ça aussi, c'est intéressant. Bah écoutez les gars, on va arrêter la vidéo ici. J'espère en fait que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé faire avec vous et tout simplement, on se dit à une prochaine vidéo. Bye.